Bonjour, Olivier Lecadre de la société Référence Marantisan. Et dans cette étude, dans cette petite vidéo, je voulais en fait vous montrer un petit peu les résultats obtenus sur une étude de cas concernant un taxi avec activité VSL et le transfert vers aéroport et gare. Donc, vous avez peut-être vu déjà une partie de cette étude de cas concernant l'aspect Google My Business, le service que l'on a proposé pour Google My Business pour cette compagnie de taxi. Mais on a également offert notre service référencement local. Et donc, c'est le complément pour vous montrer donc justement pour les mots-clés sur lesquels la compagnie avait besoin d'être référencée, mais pour lesquels le snack pack n'apparaissait pas. Eh bien, on a fait en sorte de les faire apparaître pour ces mots-clés avec notre référencement naturel local. Donc, on va prendre par exemple, donc pour cette activité VSL, déplacement médical Draguignan. Et je vous rappelle, la société s'appelait Taxi Draguignan. En fait, c'est Taxi Dominique à Draguignan. Vous vous reconnaîtrez avec ce numéro de téléphone qui apparaît plusieurs fois. Si je clique dessus, vous allez voir que la société s'appelle Taxi Dominique. Mais c'était optimisé avec taxidraguignan.com. Alors, déplacement médical, donc, il se retrouve ici sur la première page de Google en deuxième position. Si on prend également un terme très employé qui est taxi conventionné. Là, vous voyez, il apparaît aussi en deuxième position. Qu'est-ce qu'on va... Transport médical, on peut également prendre. Transport médical en taxi, Draguignan. Voilà, là on apparaît un petit peu plus bas, mais on apparaît une, deux, trois fois, vous voyez. Donc ça permet également de renforcer l'autorité lorsqu'une personne voit apparaître plusieurs fois le listing de la compagnie sur la première page de Google, il aura plutôt tendance à cliquer sur ce ou à appeler puisque on a notre numéro de téléphone qui apparaît ce numéro-là. Ils ont également, en plus de l'activité VSL, ils ont également une activité de transfert en taxi vers les aéroports. Alors on va prendre par exemple aéroport de Nice, Draguignan Nice. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ces mots-clés-là sont très, très, très difficiles parce que vous avez sept compétitions qui sont en fait des professionnels du référencement qui en fait ont créé des méga sites internet où ils prennent toutes les villes de France, par exemple, pour l'activité transfert aéroport et vont optimiser cela. Alors, vous apercevez que malgré tout, on se retrouve deux fois sur la première page de Google. En quatrième et cinquième position pour notre client, ce qui est vraiment très bon. Et vous allez voir, on est même capable d'aller pour Draguignan, aéroport de Marseille. Eh bien, on a même été capable de prendre la première position de la première page de Google, puisque ça, c'est une publicité AdWords. Mais ça, c'est la première position en référencement naturel. Et même chose avec Marseille-Provence, qui est une variation. Vous voyez, on apparaît ici, et une fois en plus en dessous. Donc, les deux premières positions pour la société que l'on représente. Voilà, voilà le genre de résultats qu'on peut vous garantir, chez Référencement Artisan, pour notre activité référencement local, référencement naturel. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, pour découvrir ce que l'on peut faire pour vous par rapport à votre situation spécifique, avec des tarifs, très adaptés pour tout ce qui est PME, TPE et artisan. Très bonne journée. Au revoir.